La ludothèque du Trégor est un lieu convivial où se retrouvent des jeunes familles, mais aussi des personnes retraitées, des grands-parents, qui viennent régulièrement emprunter des jouets et jouer aussi sur place toutes les semaines grâce à des horaires d'ouverture qui sont dédiés à plusieurs publics. Nous avons 1500 jeux référenciés et avec une ouverture depuis 2 ans et demi qui attire 180 familles chaque année. Donc les familles peuvent emprunter des jeux, jouer sur place, donc 3 jeux par semaine, et trouvent ce lieu avant tout un lieu d'échange social, de partage, où les familles peuvent se poser, échanger entre eux et que les enfants jouent avec leurs enfants, mais aussi que les enfants partagent un moment avec d'autres copains en dehors de l'école. Ce projet a tout de suite bien fonctionné sur notre territoire du centre Trégor, aussi grâce au soutien de la communauté de communes du centre Trégor et aussi grâce au financement du poste de ludothécaire qui est un emploi associatif local, donc un tiers conseil général, un tiers de la communauté de communes du centre Trégor et un tiers financé donc par l'association. Une dizaine de bénévoles travaillent chaque semaine à la ludothèque du Trégor, permet aux familles de contrôler et de conseiller le public qui vient régulièrement au sein de la ludothèque ou de la ludomobile. Ça s'appelle la ludomobile et qui sillonne une commune chaque mercredi, une commune du centre Trégor. Ça permet d'attirer 40 personnes chaque mercredi dans des communes où parfois il n'y a même plus de commerce et qui permet d'avoir tous les âges. Donc la grand-mère qui vient jouer avec son petit-fils, qui boit un café et qui permet de se poser et de faire vivre cette petite salle des fêtes en milieu de semaine. On fait beaucoup d'animations aussi, des animations lors de la semaine du développement durable autour du fabriquer ses jeux avec du carton. On fait aussi la semaine sans écran, donc voilà, à faire une soirée jeu pour éviter de sortir un peu de son écran. On peut aussi emprunter des mâles anniversaires pour des anniversaires et on a un grand nombre de jeux en bois qui servent pour les fêtes de famille, les kermesses, et donc des jeux surdimensionnés que les familles peuvent louer pour un week-end.